Ouais. C'est pas trop le swag, ça. Non, c'est vraiment pas terrible même. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie. Et aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour l'épisode 20 avec ces oreilles de Mickey, là, à la con. Pourquoi j'ai ça? Ben, tout simplement parce que j'ai voulu installer Optifine et qu'il y a une incompatibilité avec... le plugin Minecraft qui nous permet d'avoir des skins personnalisés sans avoir de compte officiel. Donc je vais me balader avec ça pendant tout l'épisode. Bon, c'est un détail, enfin de toute façon il n'y a que moi qui les vois, les autres joueurs ne verront pas ces oreilles. C'est juste ça vient juste de mon client, va falloir que je réinstalle le jeu et que je réinstalle Optifine avant de réinstaller Minecraft. Donc bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est parce qu'il doit y avoir une classe commune qui est modifiée et ça va pas. Bon, on va quand même s'équiper parce que je vais pas aller faire quelque chose quoi. Bon, juste deux trois trucs. Alors j'ai ramené pas mal de. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc c'est tout simplement la machine à potions. On va commencer à la construire dans mon monde. Je vais le faire en time-lapse. Enfin en time-lapse pas réellement parce que. Voilà, donc j'ai tout ça. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai fait notamment? J'ai toute la cobble que j'avais en trop, enfin presque toute la cobble que j'avais en trop, je l'ai fait cuire. D'ailleurs, il doit encore y en avoir en production. Ouais. J'ai mis un chunk loader ici, temporairement, histoire que ça continue à faire cuire mon. Comment mais. Mon four. Alors ce chunk loader là, c'est simplement un panneau avec marqué chunk entre crochets. Ça change pas de couleur parce que ça vient pas du mode d'essentiel, ça vient du mode Craftbook. Donc Craftbook nous permet notamment de stocker notre expérience et qui j'ai vu ça, enfin c'est TB Killer qui a découvert ça. Quand on fait un clic droit sur un livre, enfin sur une bibliothèque, voilà, ça nous marque apparemment des citations ou des trucs comme ça de. Des trucs qu'il y a de marqué dans les livres quoi, comme si on lisait quoi. Donc c'est en anglais, donc j'ai pas eu le temps de traduire, mais je trouve ça assez fun. Bon, puis c'est. Non, si c'est sympa. Alors rapidement, je vais juste me faire. Je vais déjà m'en faire 64 histoire qu'on soit bien. Ah ouais, je mets plus que ça. Ok, et puis donc on est parti. Donc pourquoi je me suis mis. Ouais, quoi que j'ai mis mon stuff, mais en fait ça me servira à rien. C'est parce que j'avais temporairement enlevé le slash butcher de TB, mais en fait je l'ai remis. Donc en fait je me suis équipé à rien. Ah là là, je suis pas encore très bien organisé. Donc toutes mes ressources sont là-bas. De toute façon, je me mettrai un home pour que ça aille plus vite plutôt que de descendre les escaliers à chaque fois. J'ai oublié la bouffe, j'y crois pas. Bon, on descend. Alors pourquoi il me fallait Optifine? Alors est-ce qu'au moins Optifine a. Est-ce que tout à l'heure quand je me suis reconnecté, ça marchait pas. Et ça ne marche pas. Aïe aïe aïe. Bon. Parce que là, faire un timelapse dans ces conditions. Donc pour ceux qui le savent pas, en fait on voit l'obscurité comme ça quand on est dans les profondeurs, quand on est en mode normal. Si je me mets en game mode 1, eh ben on n'a pas l'obscurité. Optifine est censé pouvoir supprimer, mais avec les problèmes de compatibilité avec notre avec Minecraft, eh ben, ça a pas l'air de vouloir passer. Donc comment je peux faire si j'ouvre un deuxième Minecraft et que je me mets là-bas pour filmer peut-être?
Bon, très rapidement, donc j'ai juste créé la console de commande, simplement. Alors je l'ai mis en iron. Je me suis dit, après tout, j'ai beaucoup de fer, donc je me suis dit, YOLO. Et puis sinon, tout est là, pratiquement. J'ai peut-être manqué un peu de redstone, de stack, c'est peut-être un peu court. J'ai ramené de la pierre pour pouvoir... Parce que le système, je vais le faire avec de la pierre. Donc je sais pas, donc soit ça me gonfle, je le fais en créatif. Oh non, c'est chiant, autant l'utiliser en legit quoi. Je sais pas trop. Le timelapse comme ça risque d'être agaçant en fait. Ouais, je vais me mettre plutôt en créatif. Enfin, je vais ouvrir un second compte en créatif et me filmer d'en haut. À tout à l'heure. La gra.
très bien. Attendez une seconde. Hop. Channel switched. Channel switched. Je change de canal Sound sur. microphone Voilà. muted. Je coupe mon son sur TeamSpeak parce que je l'ai avec les autres sur TeamSpeak. Il me manque quelques ressources, donc. D'accord. TB Killer est venu m'aider pour le sol en fait à récupérer toutes les ressources que j'avais en trop et à me les mettre dans un coffre qui a, je sais pas, qui a réduit. Bon, j'ai un peu de trucs sur moi. Ouais, donc vous aurez pendant tout le long du timelapse mes oreilles de Mickey là. Désolé. Et comment le. Il me manque quelques ressources. De lampes en redstone, pas grand chose. Oh putain, je vais pas arrêter de tomber dans ce trou. Il manque simplement quelques lampes en redstone. Il me faut encore un comparateur, je dois en avoir un, mais ici je me souviens plus vraiment du système. Je suis retourné plusieurs fois dans le monde de TB Killer, aller voir mon modèle pour me rappeler de ce que j'avais fait, mais parfois ben, je me souviens plus et puis. Il me semble que là déjà il y a des trucs. Enfin bon voilà. J'ai étendu un petit peu ici. Il me manque juste deux escaliers à mettre ici. De façon à ce qu'on puisse ouvrir le coffre sans avoir à. Voilà. Donc évidemment, ça m'a coûté un peu plus cher en Hooper. Vu qu'ici, ben, j'ai allongé la redstone. Donc évidemment, ici, pour rapatrier les éléments, eh ben, il a bien fallu que je ramène plus de Hooper. Ben, ça c'est du détail. Mais voilà, ça. Il me reste plus que le petit module ici à craie, donc pour gérer le brimstone, c'est le seul truc qui me manque. Sinon, le processeur, bah, vous avez vu, il est terminé, tout est censé fonctionner. J'ai rajouté le. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté le. Donc j'ai mis 7 leviers, hein, le dernier levier c'est pour la corruption. Enfin. Plutôt l'avant-dernier sera pour la corruption et le dernier sera pour la potion splash. C'est comme ça que je procéderai. Et puis voilà. Bon, je vais faire une pause. Allez manger. Et puis ben, je reprends la vidéo tout à l'heure. Après avoir reconstruit le module ici qui manque. Je vais retourner dans le monde de TB Killer, voir comment c'est fait. Comme TB Killer. Il y a eu quelques coupures entre deux, des joueurs qui avaient besoin d'aide, donc c'est pour ça que vous voyez GM qui a été tapé plusieurs fois. Mais. Allez, je veux dire 95% de ce que vous avez vu en timelapse a été fait en legit. Il y a 2-3 trucs que je me suis quand même givé parce que je les avais oubliés tout simplement. Mais je les avais dans mes coffres, hein, donc bah, c'est notamment les droppers. J'avais oublié de prendre les droppers et puis. Donc je me suis givé les quelques droppers qu'il y avait. Il n'y a que ça quoi. Je veux dire, il n'y a que ça que je me suis givé. Sinon, c'est bon quoi. Ça coûte pas bien cher un dropper. Comment? Qu'est-ce que. Oui, donc c'est ça que j'étais venu voir. Voilà, en gros, c'est ce module-là qui me manque. C'est que du. Voilà, quelques repeaters, quelques redstone. Voilà, j'ai tout sur moi. Hein. J'ai tout ce qu'il faut sur moi. C'est juste que je me souviens plus du modèle. Et il faut juste bah, que je retrouve ça. Ah bah oui, c'est tout simplement le bouton en fait. D'accord, ok. Bon, écoutez, je vais aller manger et puis bah je reviens. On se retrouve tout à l'heure. Bien, alors nous nous retrouvons le lendemain. Alors j'ai augmenté un petit peu le son de mon micro parce que j'ai vu que qui était un petit peu bas. Donc je l'ai rehaussé un petit peu. J'ai modifié un petit peu ça de façon à ce qu'on puisse remonter facilement en étant en legit comment pour pouvoir bah, aller remplir les ingrédients. Pour le moment, j'ai remis des ingrédients pour faire seulement des potions de soins 2. Il ne doit pas me rester énormément de limonite. J'irai rechercher dans le nether. En fait, la limonite que j'ai, c'était F-Savard qui avait été dans le nether pour me les ramener. Pareil pour le quartz, ça vient de F-Savard. Alors, plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir. Donc la machine à potions est terminée. Le module supplémentaire finalement je le créerai à côté et puis je créerai des ponts de redstone en fait simplement des ascenseurs en redstone puis des descenseurs vers les contrôles les boutons.
Ça, c'est autre chose parce que en haut je vais faire autre chose et puis surtout j'ai de l'espace ici donc je vais l'occuper avant de monter. Ça, c'est juste de la technique. Ensuite, au niveau de la série, vous le savez, je fais actuellement une licence professionnelle pour voilà quoi, ce sont mes études et puis. Donc ça me prend pas mal de temps, mais il va y avoir, enfin comment il y a, comment vous dire, le, en gros je vais avoir des semaines chargées et des semaines de projet, ils appellent ça comme ça, des semaines de projet. Et pendant ces semaines de projet là, en fait, on est convié à venir en cours que le lundi et après c'est comme on veut, en fait, on aménage le temps comme on veut. Évidemment, évidemment, je serai occupé par les projets que j'ai à faire, mais je pourrais, j'aurai un petit peu de temps pour tourner. Donc, je compte garder un rythme d'un épisode toutes les 2 semaines. Je pense que c'est raisonnable au niveau de la série. Je vais arrêter de parler de cette machine à potions. Parce que je vais la finir hors caméra et parce que ça fait beaucoup d'épisodes qu'on est dessus. Au prochain épisode, donc je la termine hors caméra et au prochain épisode, on se retrouve juste pour comment pour la tester rapidement, enfin pour vous montrer qu'elle fonctionne et puis c'est tout. Puis le module complémentaire, on reviendra dans, enfin le module avec la liste des potions, on y reviendra dessus beaucoup plus tard. D'ici peut-être 4 ou 5 épisodes, on va faire autre chose en attendant. Donc ça c'est pour donc l'aménagement du temps sur ma série. Donc ça va être une fréquence de un épisode toutes les 2 semaines ou ou tous les mois. Mais je pense que toutes les 2 semaines je peux tenir le rythme. Sinon bah ce sera tous les mois. Au niveau des joueurs qui m'accompagnent, à savoir F-Savard, Delta, me sent génial tout ça. Alors, il y a eu des histoires sur le serveur, des petits problèmes, on va dire, d'ordre sociaux, des petits conflits, on va dire. Donc, F-Savard, va certainement. Donc je rentre pas dans les détails sur ces sujets, mais F-Savard, s'il revient, ce sera certainement sous un autre pseudonyme. À ce que j'ai compris. Delta ne vient. Et finalement, ne sera pas resté longtemps dans la série, vu qu'il ne viendra plus dans la série apparemment. Me sent génial était juste venu faire un petit peu de décoration dans mon monde et puis apparemment ça ne l'intéresse pas plus que ça de continuer à tourner pour la série donc c'est tout donc et ben il reste plus que moi et TB Killer qui est un petit peu dans son coin pour préparer sa prochaine série de enfin sa première même série de vidéos sur Minecraft. Il compte se lancer là-dedans, il a l'air assez motivé. Quand ces vidéos sortiront, je vous encourage à aller le voir. De toute façon, il y a sa chaîne YouTube sera sur le site minecraft-mdj.fr.nf avec les chaînes YouTube des autres administrateurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir également les vidéos de Guinu02, de Loulou75, de. Voilà quoi, de nos partenaires Resistance High Code. Alors je reviendrai sur Resistance High Code certainement à l'épisode suivant. Parce que c'est vrai que j'ai été assez vaste sur ce qu'est Resistance High Code. En gros il s'agit d'un réseau. Je vais en parler rapidement, on a un petit peu de temps. Je sais qu'il me reste une dizaine de minutes, à mon avis on va les dépasser, mais bon. Resistance High Code, c'est un réseau de joueurs. Auquel on s'est associé quand on a dû abandonner notre propre serveur TeamSpeak. Alors pour le moment ils n'ont plus, eux ils n'ont plus qu'un seul serveur, ils n'ont plus qu'un serveur TeamSpeak, ils ont plus de site internet pour le moment, donc il n'y a plus que leur TS. Mais on s'est associé à eux, grâce à eux on a pas mal grossi. Parce qu'on a un avantage, on a que des avantages pour l'un et pour l'autre.
Premièrement, eux, ils ont pu récupérer dans leur dans leur communauté donc un serveur Minecraft. Donc on est vraiment associés. Donc c'est vraiment un comment donnant donnant. Hein. C'est pas l'un qui est soumis entre guillemets à l'autre. On est un peu indépendant l'un de l'autre, mais on est associés. Donc eux, ils ont pu récupérer quelque part un serveur Minecraft pour que leur communauté de joueurs puisse rejoindre un serveur Minecraft. Et nous, vu qu'on fait partie de la communauté Résistance iCode, eh ben, on peut rejoindre les jeux auxquels eux avaient accès, à savoir par exemple League of Legends, Call of Duty, un tas de jeux comme ça. Ils ont toute une série de jeux sur lesquels on peut jouer. Et ça nous permet, si on veut jouer à ces jeux-là, ou même à d'autres jeux, à tous les joueurs du serveur en fait, de pouvoir jouer à ces jeux-là tout en ayant une communauté déjà où s'intégrer pour bien commencer à jouer dans ces jeux-là. Donc c'est vraiment un avantage pour tout le monde. Nous, on se sert essentiellement du TS, c'est pour s'organiser, mais l'aspect communautaire de Résistance iCode est un plus pour nous et puis bah, pour eux également. Le serveur Minecraft, évidemment, leur a ramené pas mal de monde hein, dans leur communauté, vu que en fait, on fait chacun partie de la communauté l'un de l'autre, quoi. Ils font partie de la communauté de mon serveur et puis on fait partie de leur communauté Résistance iCode. Voilà, donc c'est super intéressant. On est donc voilà quoi. En fait, le truc c'est que comment à l'époque notre serveur était assez faible en ressources et quand le serveur Minecraft est devenu trop gros, co trop consommateur en ressources, bah le TS ne pouvait plus suivre. Et donc on a dû trouver un autre TS sur lequel migrer. Et puis c'est un ami ATB Killer qui nous a parlé de Résistance iCode. J'ai eu un gros bug là, j'ai fait un gros rollback, j'ai pas tout compris. Ok d'accord. Oui, je vais arrêter de courir aussi. Donc voilà, donc ça c'était deux mots sur Résistance iCode. Donc nos amis que l'on salue. Sachant que on cherche évidemment toujours des associés si vous-même vous disposez d'un réseau quelconque on peut toujours voir pour s'associer hein, il n'y a pas de souci, on est toujours à la recherche de partenariats qui seraient bien sûr avantageux pour vous et pour nous, quoi. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Je rebouche ça un petit peu en vitesse parce que les trous c'est pas. On avait récupéré quelques ressources également. Bon, je pense que c'est bon parce que cet épisode va finir par s'éterniser sinon. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez. Suivez l'actualité du serveur Minecraft sur le site minesurf-mdj.fr.nf. Ainsi que sur ma page Facebook et celle des administrateurs. Il est question, tiens, tant que je vous tiens, il est question, c'est Guin qui en avait parlé, que l'on se crée une page Facebook spécifique au serveur. C'est en pourparler pour le moment, il est possible qu'on le fasse. Je vous en parlerai certainement plus en détail dans l'épisode suivant si ça se fait. Je vais retoucher deux mots à Guin tout à l'heure sur le TS, mais c'est à voir, c'est un projet qui est en cours. Et sur ce, je vous dis à bientôt!